Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga 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 Shvaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yeah.
கொடியும் கொடி கம்பமும் கோயிலழகும் ஹரிதானரகசியமும் பஞ்சாட்சர படியும் கொடி கம்பமும் கோயிலழகும் ஹரிதானரகசியமும் அஞ்சல் கூறும் தீர்க்கமணிகளோசையும் மணிகளோசையும் அந்த கரணமய கௌதீர்ந்த பாடி கொண்டெல்லே ரமும் முந்தன்
बिना अधिकार कोई नहीं जानी, अधिकार कोई नहीं जानी। अमृत रस की झड़ी लगी, पिए अमीर रस धारा, पिए अमीर रस धारा, गहन में झड़ी लगी, पिए अमीर रस धारा। जानाति तव जननम्, कालो न जानाति तव समापनम्। दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर कालकाल, योगेश्वर कालकाल।
Eh bien, la danse des morts du virus continue à travers le monde. Les États-Unis, malheureusement, ont dépassé la barre des 40 000. Le monde a dépassé les 150 000, je crois. L'Inde aussi traverse un pic. L'Europe atteint une sorte de plateau où elle est légèrement en baisse. Mais nous devons comprendre que dans toutes les nations, nous n'avons rien fait au sujet du virus. Nous avons uniquement contenu ou contrôlé les comportements humains. Et grâce à cela, il y a quelques baisses. Maintenant, la décision la plus difficile pour tout gouvernement ou pour tout dirigeant est: allons-nous assouplir les mesures ou non ? Il y avait une proposition pour un assouplissement partiel aujourd'hui. Mais beaucoup d'États, y compris le Tamil Nadu, ont décidé de ne pas assouplir même un peu, parce qu'ils voient que les cas ont tendance à augmenter et que les morts ont donc aussi tendance à augmenter. Ceci est une décision très difficile pour n'importe quel dirigeant, parce que c'est l'économie contre les vies. Mais si l'économie va mal, ça va aussi coûter des vies. C'est une décision très difficile. Eh bien, y a-t-il une décision parfaite ? Il n'y en a pas. De toutes les façons, il y aura des pertes. Combien de quoi sommes-nous prêts à perdre ? Et surtout, peut-on contenir ces grandes masses de personnes comme ça pendant plus longtemps ? C'est aussi un défi. Rien qu'au Tamil Nadu, le gouvernement a déposé plus de 200 000 FIR, c'est-à-dire des plaintes contre les gens qui violent le confinement. Il en est de même dans tout le pays. Aux États-Unis, ils protestent. Aujourd'hui, à Bangalore, il y a eu une bagarre entre un certain nombre de personnes dans une zone et la police, une véritable bagarre de rue. Donc, combien de temps peut-on contenir les gens ? Combien de temps les gens peuvent-ils maintenir bon sens et santé mentale ? C'est une vraie question. C'est le moment où tout le monde souhaiterait que toute la population se soit mise au yoga, parce qu'alors, ils se conduiraient avec discipline et bon sens. Mais le reste des gens sont, pas tous, mais un certain nombre de personnes explosent. Ils sont incapables de rester chez eux. Certains pour des raisons économiques, certains simplement parce qu'ils deviennent fous, certains pour des raisons religieuses, pour bien des raisons. Mais je ne pense pas qu'un gouvernement puisse tenir un confinement pour très longtemps. Nous sommes arrivés à tenir presque 6 semaines, c'est-à-dire jusqu'au 3 mai. Au-delà de ça, ça va être dur. Même si les experts, les scientifiques, qui ne portent pas le fardeau de ces décisions difficiles à prendre, ils disent, si le confinement continue jusqu'au 15 mai, on pourrait contenir le virus en Inde d'ici la mi-septembre ou fin septembre. Mais si on continue le confinement jusqu'au 31 mai,
on pourrait contenir le virus d'ici la mi-juin ou début juillet. Mais peut-on vraiment maintenir le confinement si longtemps? C'est un vrai point d'interrogation. Je ne pense pas qu'on puisse tenir les gens comme ça. Beaucoup d'entre eux arrivent à des niveaux de frustration tels qu'ils disent ouvertement, « Si on meurt, on meurt. Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» C'est tout le problème. Si vous mourrez, vous mourrez, ce n'est pas notre affaire. Mais le problème, c'est que si vous mourrez, vous êtes un gros problème pour tout le monde. Vous l'êtes. Donc, pas facile, pas une situation facile du tout, surtout d'occuper une quelconque position de dirigeant. Eh bien, au fur et à mesure que les mesures s'assouplissent, nous devons attendre et voir comment ça se passe en termes de chiffres, comment ça se passe en termes de victimes, une période douloureuse. Cette question vient d'Anja à Washington, aux USA. Namaskaram. Dans le livre sur la mort, vous suggérez que la crémation vaut mieux. Comment le livre sur la mort est-il arrivé aux États-Unis? Nous ne l'avons pas publié là-bas. Ok. Contrebande. Dans le livre sur la mort, vous suggérez que la crémation vaut mieux que l'enterrement pour le défunt aussi bien que la famille. Peut-on faire quelque chose pour les gens qui sont déjà enterrés? Voyez, il faut comprendre ceci. Eh bien, pour la famille, les amis et les proches de cette personne, le corps représente beaucoup. Même si, au moins dans leur expérience, la personne n'est plus là. Elle n'habite plus ce corps. Tout de même, comme c'est comme ça qu'ils l'ont connu, juste la forme. Et ils savent aussi que s'ils le retiennent un certain temps, il va se mettre à pourrir. Malgré cela, il y a de l'attachement, il y a de l'émotion. Donc c'est une affaire délicate. Différentes personnes en sont venues à différentes démarches. Et puis, c'est aussi une affaire religieuse, car certaines personnes croient que vous devez les enterrer. Mais vous devez comprendre, là où il y avait des enterrements, je parle des temps anciens. Dans les temps anciens, si vous observez quelles sont les régions qui pratiquaient l'enterrement et les régions qui pratiquaient la crémation, vous verrez, là où il y avait des déserts et dans les régions très froides, là où il n'y avait pas d'arbres ni de bois, là, la tradition était l'enterrement. Là où il y avait des forêts, là où il y avait du bois à brûler, là, ils pratiquaient la crémation. Eh bien, dans certaines sociétés, on suivait un certain mode à cause d'une certaine connaissance de ce qui se passe après que la mort ait été déclarée. J'insiste là-dessus. Je ne dis pas après la mort, après que la mort ait été déclarée. Quelqu'un est déclaré mort par des médecins ou des savants qui sont là. Ils ont observé certains paramètres, plus de souffle, plus de température, certaines choses sont absentes, les signes vitaux sont absents, alors ils déclarent la personne morte. Mais la nature de notre degré d'investissement dans ce corps fait que cette énergie vitale, cette substance karmique, s'est imbriquée dans chaque cellule de ce corps. Donc elle ne disparaît pas juste comme ça. Elle va prendre son temps. Comme
Certains types de prana ne s'en vont pas. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est une chose complexe, vous devriez lire ça dans le livre sur la mort, ça serait mieux. Je ne sais pas pourquoi cette question est posée, parce que je pensais qu'elle était déjà traitée minutieusement dans le livre, enfin. Donc, elle s'en va par étapes. Comme elle s'en va par étapes, cela va créer des perturbations pour cette vie. Et aussi, pour celles des gens qui sont chers à cette personne, parce qu'ils vont éprouver un certain niveau de tourmente, qui est au-delà du trouble émotionnel qui a lieu à cause de la mort, d'un être cher. Pas seulement ça, un certain type de bouleversement commence à apparaître parce que cette vie-là traverse cela. Du fait du lien génétique, il va y avoir un certain bouleversement. Pour répondre à cela, il y a de nombreux aspects qui ont été minutieusement traités dans le livre sur la mort, mais laissez-moi l'exprimer plus simplement. Comme la vie s'en va, quand elle s'en va jusqu'à un certain point, cette personne sera déclarée morte médicalement parce que tout est fini, elle ne peut pas être ravivée, elle a atteint un certain point, mais la vie est encore en train de s'en aller. Si vous lui laissez une longue période pour s'en aller, il y a une perturbation inutile. Donc, normalement, dans ce pays, dans cette culture, nous avons fixé à 1h30 la durée pendant laquelle vous devez incinérer. Mais la déclaration de la mort n'était pas toujours une déclaration très compétente. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un professionnel de santé compétent pour être sûr que la personne était vraiment morte. Et de plus, même si tous les paramètres comme la respiration, les battements de cœur, tout est parti, supposez que le départ de ceci se produise très lentement, quand vous mettez feu à ce corps, il a tendance à se redresser. Ce n'est pas que c'est arrivé très rarement par ignorance que quelqu'un se redresse et se sauve de son bûcher. C'est extrêmement rare. Parce que c'est fait sans savoir. Quelqu'un vérifie et pas de souffle, et ils ont dit, d'accord, 1h30, ça fait combien de temps qu'il ne respire plus? Parce qu'ils se sont précipités. Ou peut-être que c'était votre belle-mère ou votre ennemi, je ne sais pas. Ces choses ont pu arriver pas très souvent. Je sais que dans certains endroits, ça a pu arriver. Mais c'est arrivé de nombreuses fois que le cadavre tende à se redresser en réaction et retombe. Cela arrive assez souvent. C'est une des raisons pour lesquelles les morts ne se sauvent pas partout, mais vous verrez qu'au moins en Inde du Sud, on continue à faire ça. Quand le cadavre est transporté, on l'attache pour qu'il ne se redresse pas. Juste par réaction, il se redresse. Et en outre, la perte de... la perte d'eau et d'humidité qui a lieu quand ça commence à se produire, le corps a tendance à se recroqueviller et à s'asseoir. Pas exactement assis, mais il a tendance à se redresser. Mais c'est aussi dû au prana résiduel qui est encore en train de sortir. Donc, en ce sens, si les gens ont moins de 84 ans et meurent, c'est mieux de les incinérer. S'ils ont plus de 84 ans, généralement, la plupart du temps, je dirais 95% du temps, ou même plus, les énergies vitales sont déjà devenues faibles quand elles s'en vont. Il ne reste pas grand-chose ou presque rien. Donc, au-delà de 84 ou 85 ans, parfois ils les enterraient parce que ça n'avait pas d'importance. Mais s'ils sont en deçà, en particulier s'ils sont bien plus jeunes, supposons qu'ils soient morts d'un accident ou d'une maladie ou d'une blessure ou autre, dans ce cas, ils sont toujours incinérés. La crémation est une bonne chose parce qu'elle règle et apaise les choses pour cette personne et pour ceux qui sont autour dans l'émotion. Parce que juste cette idée, quelqu'un vous est très cher, vous le mettez dans une boîte et le mettez dans ce jardin, sous la surface. Vous ne pouvez pas quitter cet endroit et vous en aller parce que vous savez que votre être aimé est encore là. C'est très difficile de faire ça. Très bien, les gens mettent de la terre dessus et s'en vont, vous mettez des fleurs, mais vos peines ne vont pas s'arrêter là.
La peine n'est pas purement psychologique. Il y a aussi une peine physiologique à cause d'un certain lien génétique qui est au-delà de ce que vous pensez et ressentez. Donc la crémation règle et apaise ces choses. Donc la prescription générale serait qu'à moins qu'ils aient plus de 84 ans, le mieux est d'incinérer. Je ne sais pas si cette question est posée dans le contexte des décès liés au virus. Si c'est un décès lié au virus, le mieux est d'incinérer. C'est ce qui s'est toujours pratiqué dans le monde entier. Chaque fois qu'il y a des contagions, que ce soit la peste ou ce virus-ci ou ce virus-là, tout le monde a compris dans sa sagesse que le mieux, c'est d'incinérer. Mais maintenant, les situations sont devenues viciées. C'est ma religion contre ta religion. Pour les morts, il n'y a pas de religion. Au moins, ceci vous devez le comprendre. La personne morte ne fait aucun choix. C'est pour les vivants que vous faites ces choix, de bien des façons. Et s'ils sont morts d'une maladie contagieuse, il est définitivement mieux de les incinérer. Il n'y a simplement aucun doute là-dessus. Mais je sais que c'est un... Ils en font, au niveau religieux, au niveau politique, un problème sensible parce qu'ils veulent créer des problèmes à partir de tout. Ce n'est pas pour aller à l'encontre des désirs ou des sensibilités de qui que ce soit, mais c'est la chose la plus sûre à faire dans une période comme celle-ci. Cela étant dit, une certaine éducation devrait avoir lieu dans la société pour que lorsqu'il y a une contagion, vous mettiez vos sensibilités, vos traditions de côté et effaciez simplement ce qui est nécessaire. Actuellement, notre travail est important. Je veux sortir, beaucoup de gens veulent sortir. Nous mettons ça de côté et restons ici parce que ce n'est pas sans danger pour nous. Par-dessus tout, ce n'est pas sans danger pour tous les autres, c'est très important. Si ce n'était pas sans danger seulement pour moi, je pourrais y aller, c'est mon choix. Mais quand ce que je fais n'est pas sans danger pour les autres, quand ce que je fais n'est pas sans danger pour la société, pour la nation et pour le monde, alors je n'ai pas à le faire, je n'ai pas le droit de le faire, peu importe ce que j'en pense ou ce que j'en ressens à ce sujet. Ça ne concerne pas seulement la crémation, mais tout ce qu'on fait, c'est un fait. C'est une sensibilité humaine de base que nous devrions tous avoir. Peu importe ce que nous croyons, ce à quoi nous adhérons, l'importance que nous donnons à ce que nous croyons, quand il est question d'endommager d'autres vies, nous n'avons pas le droit, quelles que soient nos sensibilités à ce sujet. Alors, quelqu'un qui est déjà enterré, est-ce que je devrais l'exhumer et l'incinérer? Eh bien, si je dis ça, je vais avoir des ennuis. Mais s'ils sont morts soudainement et que ça fait moins de 40 jours, ce serait une très bonne chose à faire, de le sortir et le brûler. Mais si ça fait longtemps, c'est inutile. Il fait partie de la terre. Il n'y a pas besoin de le faire. Mais vous devez comprendre cela aujourd'hui. La science moderne vous le dit. Un dinosaure qui est mort il y a 1 million d'années ou plus, si vous trouvez un petit morceau de quelque chose, pas même un os, un fossile, à partir de ça, il ressort une cellule et parle de recréer le dinosaure. En théorie, c'est possible. Eh bien, personne n'a ramené de dinosaures, merci à eux. On a assez de problèmes. Nous ne sommes pas capables de gérer un micro-organisme. Comment on va gérer un dinosaure maintenant? Non, nous ne voulons pas de dinosaures. On les voit dans les musées, on voit leurs os ou des structures en plastique qui sont là. On apprécie ça, c'est bien. Nous ne voulons plus qu'un dinosaure se promène aux alentours. Mais ce que je dis, c'est qu'en théorie, c'est possible. Ça signifie qu'avec un tout petit peu de matériel génétique, si vous en obtenez, vous pouvez recréer cela. Donc cet aspect veut dire quelque chose. C'est comme ceci. Aujourd'hui, il y a une certaine technologie d'imagerie thermique. Les médecins légistes les utilisent. Disons que je m'assieds ici pendant 1 heure et puis m'en vais. 7 jours plus tard, s'ils viennent, eh bien, un chien peut faire cela. Un chien va venir, sentir, et sait que j'étais assis ici. Mais avec
des instruments scientifiques, ils sont capables de faire une image thermique et de dire que c'était cette personne qui était assise ici. 7 jours plus tard, on n'a rien laissé derrière nous, d'accord ? On ne transpire pas, on n'a rien fait d'autre, rien. Rien qu'avec l'imagerie thermique, jusqu'à 7 jours, ils disent que les instruments y arrivent. Mais les chiens y arrivent à coup sûr. Beaucoup d'animaux carnivores en sont capables. C'est juste qu'ils n'obéissent pas à vos instructions, ils le font pour leurs propres raisons. Donc, c'est important, quand quelqu'un meurt, nous devons comprendre que c'est la fin de la partie. Et nous devons le traiter de cette façon. Nous voulons continuer ce processus. Ce n'est pas bon. Alors, les planter dans la terre, peu importe à quel point ils vous sont chers, les planter dans la terre, ils ne vont pas pousser comme une graine ou un arbre. Ça ne marchera pas. Alors, si vous devez enterrer, au moins planter un arbre dessus, parce que vous pourrez y aller et profiter de l'arbre et dire « c'est l'arbre de mon grand-père ». Ce sera merveilleux. On peut s'en servir, l'arbre va absorber la personne aussi vite que possible, mais comme je l'ai dit, pour cette vie, le mieux est la crémation, à moins qu'ils n'aient plus de 84 ans, ou s'ils ont passé ces 1012 lunes. La mort est quelque chose qui n'a lieu qu'une fois dans notre vie. Il est important que nous la conduisions bien et que tout le monde autour de nous soit sensibilisé pour qu'eux aussi la conduisent bien pour nous. Parce que, au fur et à mesure que nous devenons démunis, il y a des idiots autour de nous qui vont faire toutes sortes de choses, du fait de leurs émotions ou de leur système de croyance ou n'importe. C'est très important parce qu'une personne mourante n'a pas de religion. Ou une personne morte n'a définitivement pas de religion, pas de caste, pas de credo, rien du tout. Ce sont les préjugés humains qui se perpétuent à travers ça. À un moment pareil, quand les gens meurent par milliers chaque jour du fait d'une seule cause, les morts naturelles ont de toute façon lieu, personne n'en parle plus. Mais rien qu'avec le virus, elles ont lieu et l'on craint que ça puisse décupler et atteindre des millions. On ne sait pas si on sera capable de le contenir ou pas. Personne n'en est sûr. Tout le monde dit plein de choses, mais personne n'est sûr. Ce n'est pas pour répandre la peur, la panique, mais si nous ne regardons pas la situation en face, telle qu'elle est, nous ne serons pas capables de la gérer non plus. Il est très important de voir ce que c'est. Ce que c'est pour l'instant, c'est une grosse inconnue. Comme je le disais hier, ce n'est plus juste un problème respiratoire. Ça pénètre votre foie, vos reins. Par-dessus tout, ça détruit vos lymphocytes ou cellules T. C'est-à-dire que votre système immunitaire, il le met à plat et rend la situation très propice pour lui-même. Donc, vous avez affaire à un virus très rusé. Et nous n'avons toujours aucun contrôle sur eux. Nous n'avons aucun contrôle sur eux, pas du tout, aucun. La seule chose, c'est qu'on le contrôle en contrôlant le comportement humain. Alors, vous tous, s'il vous plaît, tenez-vous bien. Yoga, yoga, yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Maha